la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle « En lisant, en écrivant », Arnaud Laporte s'entretient avec Catherine Meurice, autrice de bande dessinée. Nous ouvrons à présent la masterclass de Catherine Meurice ici à la Bibliothèque nationale de France, qui est partenaire de cette grande collection d'entretiens avec le Centre national du livre. Le principe de cette collection, c'est le suivant, essayer de savoir comment un artiste, une artiste construit une œuvre de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Est-ce que c'est le cas? C'est une autre question. Mais elle et il nous racontent le processus de son élaboration. Alors, avant de véritablement débuter, quelques éléments biographiques vous concernant, Catherine Meurice, pour dire qu'avec un père ingénieur des forêts, une mère au foyer, vous avez grandi avec votre sœur dans le Mélois, campagne proche de Niort, que très jeune, vous aimez vous plonger dans les grands livres d'illustration, les catalogues du Louvre qu'il y avait chez vous, et que très tôt, le dessin, c'est une de vos occupations favorites. Vous lisez Astérix, le petit Nicolas, Roald Dahl, puis à l'adolescence, Gottlieb, Granville, Gustave Doré, d'autres illustrateurs, évidemment. 13 ans, on y reviendra, première visite au musée du Louvre, grand choc, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. 17 ans, lauréate du Grand Écureuil d'Or, concours de bande dessinée scolaire. Mais oui, c'est beau, mais parce que ça vous permet d'aller pour une première fois au Festival d'Angoulême, puisque ce festival est partenaire de ce concours, et d'y être remarqué. Vous serez aussi gardienne au Musée du Louvre, un boulot d'été conseillé par votre mère, qui a bien fait. 2 ans de fac de lettres à Poitiers, et puis vous rentrez à la célèbre école Estienne, l'école supérieure des arts et industries graphiques. Vous en sortez diplômée en 2002, félicitations. Avec déjà un livre sous le bras, La causerie sur Delacroix de Dumas, que vous avez illustré. Vous poursuivrez votre formation aux arts déco, et puis à 25 ans, vous êtes embauché à Charlie Hebdo. On poursuivra tout à l'heure le fil biographique, mais revenir à la question première, une question qu'on pose régulièrement aux invités de ces masterclass. Est-ce que vous croyez en la vocation, Catherine Meurice? Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je mette quelques mots, quelques images dessus, notamment dans les grands espaces, un album qui date de 2018 où j'ai formulé ce qui peut ressembler à une vocation. Alors j'ai peut-être réinventé, sans doute réinterprété, en mélangeant en triant des souvenirs d'enfance. Et en tout cas, oui, peut-être qu'adulte, je me suis dit, tiens, je me suis peut-être posé la question d'où ça vient finalement ce dessin. La question du dessin est venue parce qu'avant, il y a eu l'album La Légèreté. On en reparlera. Donc oui, peut-être que cette enfance à la campagne, au contact de la nature, des animaux, des pierres, des vieux murs, des vieilles choses, et puis en même temps, je ne parle pas de mes parents, hein, des choses neuves aussi. ils vont rire s'ils entendent ça. Bon, peut-être que tout ça a fait que j'ai beaucoup observé quand j'étais enfant. J'ai beaucoup dessiné avec ma sœur aînée. Voilà, peut-être que la vocation est née là. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas su ce que j'allais faire. Pendant très très longtemps, oui. Non, ça devra rassurer les plus jeunes. Mais c'est vrai que c'est un environnement favorable dans lequel vous grandissez, que vous avez en effet très bien raconté dans votre album Les Grands Espaces. On retrouve dans cet album le musée du Louvre, on y reviendra encore. Cette dimension autobiographique qui est présente dans nombre de vos albums, et surtout les plus récents, elle pose toujours aussi la question de la bonne distance. Comment est-ce que vous la posez, cette question-là? De la bonne distance entre le sujet, le double de vous qui est dans les pages des albums, et qui est parfois carrément vous. Mais là encore, c'est venu, ça s'est imposé. Et je reviens encore à cet album, La Légèreté. Bon, je n'ai pas fait que ce livre, heureusement, mais ça s'est imposé parce qu'avant, je ne me posais pas la question de ce double dans les albums précédents et dans le dessin de presse que j'ai fait pendant des années. C'était ma première activité. Le jeu était complètement absent. Enfin, j'étais comment dire, derrière le rideau de scène, et je mettais en scène des personnages, et certainement pas moi. Et c'est venu donc après 2015, après ce qui s'est passé à Charlie, où une question d'identité s'est posée après cette catastrophe
de janvier 2015 qui concernait donc la vie de dessinateur et le dessin. Et là, le jeu est arrivé. Je crois que je n'ai pas réfléchi à la distance. Enfin, si, peut-être quand même, parce que l'album La Légèreté ne me dévoile pas complètement. Heureusement, ce serait sans intérêt. Mais en tout cas, là, ça s'est fait. Et j'ai presque découvert l'autobiographie ou les vertus de l'autobiographie ou l'autofiction en faisant La Légèreté. Donc après, j'ai pu me poser les questions, en effet, de cette fameuse distance en faisant Les Grands Espaces. Il y a une parenthèse quand j'ai fait De la Croix, parce que là, de nouveau, c'est, j'étais plus du tout sur scène, c'est Alexandre Dumas qui était là avec De la Croix. Et la question de ce double est revenu dans La Jeune Femme et la Mère, mais la distance s'agrandit, je trouve, dans La Jeune Femme et la Mère. Le personnage qui me ressemble déjà n'est pas nommé dans l'album, et c'est moi, et c'est pas moi. C'est un personnage qui commence à s'éloigner de moi, même si je prends toujours du plaisir à le dessiner. Et donc cette situation devient de plus en plus confortable. Je m'approche de la fiction de plus en plus, et je quitte l'autofiction, ce qui est assez reposant. Bon, alors nous, on revient à la biographie, et je reviens aux années de formation et aux écoles. Qu'est-ce que vous y avez appris en définitive ? À observer, je crois que c'est ce que font tous les dessinateurs depuis l'enfance même, mais on n'en a pas conscience enfant. J'ai beaucoup observé à l'école Estienne, j'ai eu la chance d'être dans un groupe d'élèves, enfin d'étudiants, on était 12 en fait, voilà, on était 12, ce sont encore mes amis aujourd'hui, et on a pu expérimenter beaucoup de choses. C'est pas que c'était l'école de la liberté, on avait quand même des devoirs à faire, mais ça a été un grand changement après la fac de lettres où je n'avais plus de partiel, je n'avais plus à trembler pendant 4 heures sur une dissertation, sur Rabelais, sur Montaigne. Mais je découvrais des choses, je pouvais assembler des formes, réfléchir à des formes, même bien sûr assembler des idées. Et j'ai beaucoup appris en observant mes copains et mes copines. Et bien sûr en écoutant ce que disaient les profs, mais même si on se demande toujours si le dessin s'enseigne. En tout cas, ce que j'ai appris à l'école Estienne, c'est la pratique du dessin de presse. Et c'est même là que j'ai commencé le métier de dessinatrice de presse tout en étant étudiante, parce que j'étais lectrice de Charlie et du Canard Enchaîné. Mes parents le lisaient à la maison. Je lisais beaucoup plus les dessins que les textes, donc je connaissais toutes les signatures par cœur quand j'étais adolescente. Et à 19 ans, à l'école Estienne, un prof nous a fait travailler le dessin de presse à l'occasion d'un concours de dessin de presse à l'école Estienne, le concours Presse Titron, qui continue, qui existe encore aujourd'hui. Et pour la première fois, j'ai réfléchi à comment se construit un dessin de presse. Et ça m'a tellement plu que j'en ai fait. J'ai gagné le concours, j'ai rencontré le jury de ce concours qui était composé des dessinateurs de Charlie, des Échos. Voilà, il y avait Tignou, il y avait Honoré, il y avait Morchouane, Dominique Boll, voilà, des gens plus ou moins connus mais qui sont hyper talentueux et qui m'ont ouvert la porte et surtout encouragé. Donc ça a été très important. Et donc j'ai appris beaucoup de choses à l'école Estienne. Ensuite, en continuant aux Arts Déco, les études étaient moins tenues, et puis je crois que comme j'avais commencé à travailler pour les journaux, c'était tellement plus excitant de travailler dans la presse. Je ne dis pas ça pour dénigrer l'école, mais enfin très vite, voilà, c'est pas que je faisais l'école buissonnière, mais c'était formidable. Voilà, il y avait une double école, quoi. Le Charlie, les Échos. Je me souviens que j'allais porter mes dessins au journal Les Échos. Tout le monde avait des cravates. C'était extraordinaire. Alors qu'à Charlie, tout le monde était en costume bariolé. Revoyez les chemises de Cabu sur les photos d'archives, vous verrez de quoi je parle. Et c'était c'est très différent. Un monde s'est ouvert à moi. Enfin, c'était merveilleux. Donc, vous disiez que la causerie sur De la Croix, je l'ai fait en sortant d'Estienne, mais non, en fait, je l'ai fait en sortant des Arts Déco. Donc, à Estienne, j'ai appris le dessin de presse, j'ai appris toutes ces choses-là. Et en sortant des Arts Déco, j'ai eu le temps de faire Causerie sur De la Croix, qui a été publié ensuite. Donc, je n'ai pas chômé pendant ces années d'école d'art, et j'ai aimé mes études, globalement, oui. Bon, je rectifie ma fiche à Catherine Meurice, Causerie de la Croix, Art Déco. Puisqu'on parle du prix Presse Citron, c'était un dessin que vous avez fait gagner, une série de dessins, c'était quoi en fait ?
On devait faire un dessin, mais je crois que j'en ai fait 40 ou 50 parce que c'était tellement, tellement drôle. J'avais compris soudain la mécanique du dessin de presse, qui n'est pas très compliqué. On prend deux faits d'actualité, on les mélange et ça doit produire un gag idiot. Voilà, le choc de deux actualités peut provoquer le rire. Peut provoquer, si c'est bien réussi. Et oui, je crois que ça m'avait beaucoup amusé. Et les dessinateurs professionnels en jury m'avaient repéré grâce à ça. Ça les avait fait beaucoup rire. Vous n'avez pas dit ce que c'était. Ah oui, alors le dessin qui a gagné, c'est toujours difficile de décrire un dessin, mais je vais le faire quand même. C'était deux pingouins. J'avais 20 ans, excusez, si ça ne vous fait pas rire, j'étais jeune. C'était deux pingouins sur une banquise qui était en train de fondre. Hein, vous savez, une sorte de banquise voilà, paumée dans l'eau comme ça. Alors le titre c'était Réchauffement climatique déjà, et les deux pingouins, il y a un pingouin qui disait à l'autre je me taperais bien un couscous. Voilà, bon. On était en 2000, voilà, rire dans la salle, on était en l'an 2000, merci. Et le reste, les autres dessins, je ne sais plus ce que c'était. Je pense que tous les autres dessins sont périmés, parce que qui se souvient de je ne sais plus quoi, Tabachnik, j'en ai eu des problèmes de je ne sais plus quoi. Celui-là était là. Et voilà, celui-là est resté. Et bon, les pingouins, c'est vraiment un truc facile à dessiner. Tous les dessinateurs vous le diront, c'est noir et blanc, c'est une sorte de cylindre. Voilà, succès assuré. Et je me souviens de oui, Honoré, Tinius, Jules aussi était là, et Morchouane. Alors les mecs de Charlie m'ont dit viens nous voir à la rédaction. Et puis Morchouane a dit je viens nous voir à la rédaction des Échos et tout. Donc je suis allée dans deux directions. J'ai fait le grand écart assez vite, suant d'angoisse, mais surexcitée. Surexcitée, oui. Et puis, il y a ce que vous apportent donc, les écoles, que vous venez de nous dire, Catherine Meurice, mais aussi votre propre cheminement. Alors, un goût très prononcé pour le 19e siècle. On ne peut pas le cacher, là. On le voit à longueur d'albums. Alors, il est très, très présent dans de nombreux travaux, nombreux albums. Et qu'est-ce qui rend ce siècle si important pour vous ? C'est le siècle des grands dessinateurs, des grands dessinateurs de presse, des grands illustrateurs. Vous citiez Granville, Doré, Gustave Doré, Cam, Sem, Gavarni, dans le tout c'est, voilà, ces journaux de l'époque, le Charivari, l'Assiette au beurre, etc. Même Josso, beaucoup plus tard. Bon, voilà, c'est les Josso, c'est plutôt début 20e, je crois, mais c'est le siècle de l'avènement de la presse quand même et d'une certaine presse satirique avec Philippon, etc. Et j'étais fascinée assez tôt par Granville, Doré qui rêvait d'être peintre et puis finalement il était meilleur dessinateur, on lui en veut pas. Et qui était surdoué. Et oui, Granville, par exemple, avait un dessin très, très littéraire, déjà à mettre des vêtements aux animaux, à utiliser les animaux pour évidemment parler de notre société. Bon, tout ça m'émerveillait dès l'enfance. Et plus tard, j'ai compris que ces dessins merveilleux parlaient de nous et critiquaient le monde. Et peu de choses sont. Quand on revoit ces dessins du 19e, il y a encore des choses très, bien sûr très actuelles. Il s'agissait de critiquer les puissants. Bon, c'est malheureusement. Heureusement indémodable. Donc c'est le siècle des grands dessinateurs et c'est le siècle des écrivains qui savaient dessiner. Par exemple, Victor Hugo est assez époustouflant. Je me souviens avoir vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, une expo à la maison de Victor Hugo, et des surréalistes. Et Hugo, mais enfonçait les surréalistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud Laporte, mais c'était stupéfiant. Enfin, je suis d'accord avec vous. Voilà. Par principe déjà. Mais... Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. On était d'accord là-dessus avant d'arriver sur scène. Donc c'est. Je me souviens m'être intéressée assez tôt aux manuscrits des écrivains. Il y a un très beau catalogue de la BNF d'ailleurs qui a 20 ans sur les brouillons d'écrivains que j'ai compulsé quand j'étais étudiante où on voyait Huysmans, les brouillons de Huysmans, de Barbey d'Orvilly, de Baudelaire bien sûr. Baudelaire, il y a une expo en ce moment, savait extrêmement bien savait dessiner, en tout cas manier la plume. Donc c'est ce mélange, voilà, c'est ces ponts entre littérature et dessin
qui me plaisent dans le 19e siècle. C'est aussi le siècle, par exemple, d'une George Sand. Après, ce n'est pas du tout un siècle féministe. Hein, donc, bon. Et puis, c'est aussi le début, comment dire, le début de la fin des haricots, si je puis dire. Enfin, du point de vue climatique, par exemple, c'est un peu le début de la catastrophe. Mais du point de vue littéraire et graphique, c'est un siècle... Et du point de vue du roman, voilà, c'est un siècle épatant. Bon, il y a quelques peintres que vous aimez bien aussi. Vous n'avez pas parlé de Delacroix encore, ce qui est pourtant un beau chouchou. Mais oui, bien sûr, on y vient. Delacroix, pareil, dès l'enfance, je crois que j'aimais énormément ce billet de 50 francs. Non, je ne sais plus sur quel billet il était, ou 100 francs, je ne sais plus. Non, je n'ai jamais eu d'argent de poche, donc je parle de ce que je ne connais pas. Mais non, Delacroix, bien sûr, pour sa fougue. On reparlera sans doute de cette visite au Louvre, mais j'étais bien sûr baba devant la mort de Sardanapale. Enfin voilà, c'est cette énergie, oui, cette fougue, dans cette flamboyance dans les peintures, et puis des sujets que je ne comprenais pas forcément quand j'étais plus jeune, mais on pouvait s'inventer toutes les histoires du monde. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui. On va dans n'importe quel musée, on n'est pas obligé de lire les cartels, on peut s'inventer des histoires. Et voilà, donc bien sûr, les peintres du 19e me plaisaient, oui. Autre album formidable, Le Pont des Arts, qui est nourri de cet amour-là et de cette connaissance aussi des artistes de cette époque et du début du 20e aussi, puisqu'on va quand même jusqu'à Proust, presque trop pour vous, dans le 20e siècle. Mais c'est un bon exemple, Le Pont des Arts, de la Maurice's Touch, travail d'historienne très documenté, très précis, très rigoureux, et puis un décalage, ce décalage qui fait souvent éclater de rire le lecteur, en tout cas que je suis. C'est ce mystère-là qu'on essaie d'explorer dans ces masterclass France Culture. C'est comment est-ce que vous faites ? Ce sont des années de livres annotés, des bribes d'idées, de mettre deux choses justement en correspondance pour créer une étincelle ? Oui, ce sont des bribes, ce sont des sentiments. C'est beaucoup de sentiments épars que je rassemble. Je ne suis pas du tout une érudite. Je crois que je suis une passionnée, comme beaucoup de lecteurs. Et quand j'ai fait Le Pont des Arts, donc j'avais fait Mes Hommes de Lettres précédemment, ces deux albums, ce sont presque deux livres qui disent au revoir à mes études de lettres. Je crois que je fais toujours un peu des livres pour ne pas perdre la mémoire, ne pas perdre les proches, ne pas perdre des sensations, des impressions pour y revenir. Et en faisant Mes Hommes de Lettres et Le Pont des Arts, je crois que c'était ça, inconsciemment. Je voulais bien sûr m'amuser, faire rire le lecteur, mais je crois que je voulais surtout garder une trace de ce que j'avais appris et aimé passionnément. Et y a une phrase de Delacroix, pour revenir à lui, qui me vient, c'est que... Il dit lui-même, il se disait dans son journal, souviens-toi pour t'enflammer éternellement de certains passages de Byron. Mais en faisant Mes Hommes de Lettres et Le Pont des Arts, je m'enflammais éternellement en allant collecter des citations fabuleuses. Enfin voilà, j'étais très admirative du verbe, enfin de la phrase de certains écrivains. Et donc il y avait vraiment cet amour de la littérature, d'une littérature qui m'impressionnait beaucoup pour la plupart. Dans Mes Hommes de Lettres, j'ai fait un chapitre sur Proust que je n'avais pas lu, et je serrais les fesses parce que je me disais c'est pas possible, je m'attaque à un monument, je vais rien comprendre. Là je me suis documentée, Céline pareil, mais j'ai fait ces chapitres-là pour m'approcher d'eux, pour ne plus avoir peur. Je crois que ces albums disent que c'est une façon de conjurer la peur, je crois. Et le rire avec eux, c'est aussi ça, je crois. C'est un peu conjurer la peur. C'est aussi un moyen d'être en bonne compagnie, tout simplement, et de s'élever, voilà, vraiment de s'enflammer, de s'élever, de ne pas mollir. Et puis, il y a aussi quelque chose là qui me rattache à Charlie. D'ailleurs, j'étais dessinatrice à Charlie quand j'ai fait Mes Hommes de Lettres et Le Pont des Arts. C'est qu'il y a une façon de se moquer des puissants, tout en leur rendant hommage. C'est-à-dire que je me moque tous ces auteurs qu'on peut. Je me moque du piédestal, en fait. Je me moque pas de l'auteur qui est dessus. Et je fais redescendre les auteurs et les autrices du piédestal pour les faire entrer dans nos vies, parce qu'on en a besoin. Je vois pas comment est-ce qu'on peut vivre sans art ou sans littérature.
Et voilà, donc c'est tout ça qui s'est mélangé. Là, je mets des mots dessus plusieurs années après, mais en faisant ces deux livres, j'ai surtout beaucoup ri, je l'avoue, de mes farces, quoi. Il y avait une, je me frottais les mains en disant, alors là, je vais faire un petit gag. J'espère que déjà, si ça me faisait rire, c'était bon signe. Et quand je revois ces livres que je les feuillette aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que je suis vraiment gonflée, quoi. Qu'est-ce que je crois qu'à l'époque je n'imaginais pas avoir des lecteurs. Mais vraiment, très sincèrement. Et donc j'ai fait voilà. Ça permet tout de pas penser aux lecteurs. Quand je revois mes hommes de lettres, oui, je me dis c'est pas possible que j'ai oui, même dans le fond comme dans la forme, j'ai même tassé, il y a beaucoup de textes. Je me dis c'est pas possible, j'aurais pu quand même refaire mes bulles, quoi. Qu'est-ce que c'est. Oui, j'ai vraiment fait ça sans vraiment en me fermant les yeux en disant non, mais personne me verra. C'est raté, Catherine. C'est raté, voilà. Mais tant mieux pour nous. Oui, après, il faut avec les années et les livres qui se font, c'est vrai que je dois faire attention à ça, me dire bon, Dieu merci, j'ai un lectorat. Mais je fais attention à ce que mes lecteurs me comprennent, mais en même temps je dois vous oublier, je dois l'oublier. Sinon je ne fais plus rien, je crois, d'intéressant. Oubliez-nous. Pour continuer quand même à en savoir un peu plus sur vous, on parle du 19e, un peu du 20e, mais comment est-ce que vous regardez notamment les plasticiens, je ne parle pas là des illustrateurs ou dessinateurs, mais les plasticiens hors de la modernité, voire même du 21e siècle, est-ce que vous avez un intérêt pour l'art de votre temps ? Oui, j'ai un grand intérêt, je n'en parle pas beaucoup dans mes livres. Oui, j'ai un grand intérêt. Je vais voir beaucoup d'expos, d'art moderne, d'art contemporain. J'essaie de voir vraiment énormément de choses. Et je me retrouve autant, je ressens autant d'émotions devant une toile blanche ou presque de Saïd-Tombly que devant un Bruegel. J'ai besoin de l'art de tous les siècles, en fait. Et oui, d'ailleurs, quand j'ai fait La Légèreté, j'ai fait appel à Roscoe pour traduire un moment qui était pour moi indicible, qui était vraiment un moment d'effroi, de perte totale de mémoire, d'identité, etc. Une sorte d'incendie comme ça. Bon, voilà, je suis mon personnage rentre littéralement dans une toile de Roscoe. Et par exemple, quand j'ai fait La Légèreté, j'ai eu besoin d'aller voir des tableaux abstraits, vraiment énormément de toiles abstraites. J'aime beaucoup l'abstraction, l'expressionnisme, enfin, voilà, tout ça. Je m'intéresse aussi beaucoup par exemple à des destinées de peintres, mais aussi à leurs galeristes, voilà, Léo Castelli, etc. Toutes ces figures du XXe siècle, pour le coup, m'intéressent, parfois me fascinent. Et ce qui est drôle, ça peut paraître très, très prétentieux de dire ça, mais je vous assure que ça ne l'est pas, c'est que quand j'entends n'importe quel peintre parler, je pense que beaucoup de dessinateurs de bande dessinée peuvent dire ça, c'est qu'on se retrouve, on peut comprendre parfaitement un peintre qui parle d'une de ses toiles, qui, voilà, je dis n'importe quoi, Pollock, je ne sais quoi, ou je lisais récemment les entretiens de David Hockney. Mon travail n'a absolument rien à voir avec Hockney, et pourtant quand il parle de sa façon de peindre, bien je retrouve quelque chose de ce qui vibre en moi, et c'est quelque chose qui est difficile à confier, parce que c'est pas très facile à exprimer, c'est vraiment, même moi je sais pas trop, c'est un peu flottant en moi, mais je sens quand même quelque chose en fait qui me fait dire que je suis bien à ma place de dessinatrice, voilà. Et puis pour continuer à savoir ce qui vous nourrit, Catherine Meurice, côté littérature, alors j'aimerais citer deux exemples et on va le voir qui sont fort différents, Marcel Proust et John Fante. Alors vous avez fini par lire Proust, après en avoir plus peur, à tel point que vous avez dit de lui qu'il était votre auxiliaire de vie. Oui. oui, je m'imaginais bien pousser mon petit fauteuil à l'EHPAD. Il me donnerait la compote, j'aimerais bien, ouais.
mais il est parti avant moi. Enfin bref, auxiliaire de vie, ben oui, j'ai employé les grands mots, c'est dans la légèreté, mais dans la légèreté, j'ai dit pas mal de choses au premier degré, peut-être pour la première fois, parce que les circonstances l'imposaient. Oui, Proust, je l'ai lu assez tard, enfin je l'ai lu à 29 ans, voilà, 29-30 ans, j'ai pris mon temps, et il vaut mieux pour lire La recherche du temps perdu, et ça a été un choc, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans ce... J'ai été happée par ce long roman, je me suis retrouvée dedans, je crois qu'on est tous dans La recherche du temps perdu. La structure du roman est éblouissante, la finesse d'analyse est éblouissante, tous les personnages incarnent presque un art, tous les arts sont abordés, tout, la musique, la peinture, l'architecture, il y a des notions de psychanalyse qui se baladent alors que Proust n'a jamais rencontré Freud et inversement je crois qu'ils se sont jamais lus. Tout est abordé, c'est proprement fascinant et je continue de glaner dans la recherche des phrases qui me plaisent. Voilà, récemment je disais que par exemple la mère, on pourra parler de la jeune femme et la mère plus tard, mais que la mère est comme une petite veilleuse parce qu'elle ne se tait jamais, elle fait partie voilà, de ces choses qui ne se taisent jamais et il y a une image qui est très belle qui est que quand le soleil couchant se reflète, même quand le soleil vraiment disparaît, il se reflète encore dans la mer, donc ça ressemble à ces petites veilleuses qui fait que ça nous empêche d'être dans l'obscurité totale. On peut voir tout derrière ce mot d'obscurité totale. Et j'aime bien cette idée, par exemple, que la mer est une veilleuse. Peut-être que inconsciemment, j'ai pensé à cette veilleuse en dessinant Jeune femme et la mer, par exemple. Bon, voilà, je me retrouve toujours dans Proust, toujours. Et en plus, il me fait rire, il est extrêmement drôle. C'est vrai, on ne le dit pas assez, mais je suis sûre qu'il y a des lecteurs de Proust dans la salle. C'est extrêmement drôle. Il est persifleur, imitateur. Il paraît qu'il imitait, il se moquait beaucoup de ses contemporains. Et il riait en mettant la main devant sa bouche, comme ça. Enfin bon, bref. Sacré Marcel. Ah oui, sacré Marcel. Drôle aussi, et autrement, John Fante, et autrement autobiographique aussi, mais toujours avec cette forme de... Moi, j'aime beaucoup aussi John Fante, cette forme de décalage qui est à la fois de la pudeur et en même temps quelque chose de très... oui, il y a une tendresse et en même temps ce côté grinçant, ce petit décalage, c'est nostalgie et coup de boule. Oui, c'est exactement ça. C'est des paires de gifles et un cœur fendu. Quoi. C'est assez bouleversant, John Fante. Il y en a un notamment que j'aime beaucoup, le titre m'échappe, c'est sur... je l'ai lu. Il doit y avoir un Bandini dedans. Et puis comment? Il doit y avoir un Arturo Bandini oui, dedans. Exactement, voilà, oui, exactement. Oui. On trouvera. Non, c'est vrai que je n'ai pas la mémoire des textes, c'est peut-être pour ça que je brasse beaucoup de textes dans mes albums. Mais oui, Fante, il est bouleversant, je trouve. Et j'aime cette rudesse. Bon, c'était un immigré italien qui arrive aux États-Unis, une famille qui a vécu une forme de rudesse en arrivant dans ce pays. Et toute cette vie se retrouve par petits morceaux dans toute son œuvre. Et sa langue est extraordinaire. Enfin, ce sont des inventions. Alors que ça a une apparence de langue classique. Hein, c'est très, très simple à lire, je pourrais dire. Mais c'est surprenant à chaque mot. Et il y a beaucoup d'auteurs américains qui sont Thomas McGuion par exemple. Enfin bon voilà. Thomas? Oui. Je suis fatiguée, des petits trous de mémoire. C'est Richard. Thomas? Richard? Richard? Non. Arnaud? Qui nous souffle? Arnaud? Catherine? Arnaud, c'est bien nous. Bon voilà. Des auteurs américains donc. Non mais Jim Harrison bien sûr, Edouard Abbey, etc. etc. Ce sont des auteurs que je lis beaucoup, oui. Alors l'humour grinçant, on va y rester aussi pour évoquer quand même ces années Charlie, Catherine Meurice, c'est encore une autre sorte d'école parce qu'il fallait oser afficher son travail sur le tableau commun. Comment est-ce que vous avez trouvé justement votre place, votre voix VOX singulière, parce que bon, le dessin de presse qui fait maintenant partie du passé pour vous, mais qui a été toutes ces années-là le cœur battant de votre quotidien? J'ai été intimidée très longtemps et je cachais cette timidité sous des rires idiots. Je gloussais beaucoup, mais enfin, il y avait de quoi aussi. Il y avait de quoi.
Je crois que Charb était le plus hilarant de l'équipe. Je me souviens que quand je suis arrivée, je n'arrivais pas à suivre. Il y avait trop de... J'avais pas de répartie, je ne savais pas encore faire. Et c'était mais des salves de blagues. Tout était drôle. Et il savait aussi imiter, pas comme Proust, hein, c'était pas le même genre d'homme, mais Charm était, et son dessin était à tomber par terre. Enfin, il nous faisait vraiment rire, c'est lui qui faisait le plus rire. Voilà. La première fois que je suis passée à Charlie, il y avait encore GB. Il est décédé en 2004, donc j'ai été embauchée après, donc je l'ai très peu vu. Mais GB était un peu le poète de la bande, très admiré de Cabu, de tous, de Rhys, de Charm, de tout le monde. Voilà, relisez l'an 01, qui est magistral, et tous ses autres livres. Et je suis arrivée là-dedans, rouge comme une tomate. Mais vraiment, quand j'y repense, mais je devais être très, très gourde. Ce qui m'a sauvée, je crois, c'est que je connaissais l'histoire du journal. Pour pas paraître trop idiote, je posais des questions. Ça m'évitait de parler de moi, je pouvais meubler. Et donc Harakiri, je posais plein de questions. Et Cavana, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais Cavana adorait raconter l'histoire du journal, 150 milliards d'anecdotes. Cabu aussi, Cabu était passé par tous les journaux, sauf Le Figaro, Minute, etc., bien sûr. Wolinski, voilà, encore un pan d'histoire, mais aussi Honoré. Enfin, tous avaient des personnalités très différentes et beaucoup de choses à raconter. C'était pas mal beaucoup de puits de science, tous, même chez les rédacteurs, Bernard Maris, etc. Et donc, c'était à la fois, c'était galvanisant et puis très, très terrifiant. Mais j'ai été très bien accueillie. Tout le monde s'est réjoui de voir une fille arriver. S'il n'y avait pas de dessinatrice de presse avant, bizarrement. Et donc, ils étaient aux petits soins pour moi. Vraiment, Cabu se réjouissait, Tinius aussi, je me souviens. À la fois, ils étaient très heureux qu'une fille arrive, et en même temps, ils m'ont fichu la paix. Je ne me suis pas sentie fille quand je dessinais. J'étais vraiment rien. J'étais une dessinatrice. Ouais. Je dessinais. Et je me souviens d'ailleurs d'une interview que Charb avait donnée, et j'étais à côté de lui d'ailleurs, et on lui avait demandé, mais voilà, vous l'avez embauchée parce que c'était une fille. Il a dit non, on l'a embauchée parce qu'elle dessinait bien, si ça avait été un lapin, on l'aurait embauchée quand même. Bon, voilà, il fallait dessiner, Charlie, c'était ça, il fallait dessiner, vite, être efficace, piger l'humour de l'équipe. Et c'est vrai que mes premiers dessins, j'ai jamais osé les afficher, je crois, pendant un an. On dessinait tous autour de la même table. J'ai dessiné ça dans la légèreté. Ce que je dessine, ce sont les locaux du journal qui était rue de Turbigo. Pour moi, c'est les années en or de Charlie. C'est quand le journal allait bien. Ensuite, on a déménagé. Il y a eu l'incendie, etc. C'était vraiment compliqué à partir de 2010-2011. Mais rue de Turbigo, voilà, on était tous autour de cette grande table en fer à cheval et on dessinait tous en même temps les lundis de bouclage. C'est encore le lundi d'ailleurs, je crois. Cabu était au centre et puis on avait un peu nos places. La place de Cabu, c'était facile, c'était noirci de coups de machin, de marqueurs et tout, parce qu'il était encore avec ses ciseaux, sa colle Cléopâtre, etc., sa photocopieuse. Quand je suis arrivée, j'étais la première à utiliser Photoshop. Et la tablette graphique, alors j'étais la vraiment, modernité incarnée. Voilà, modernité incarnée. Donc je leur ai filé un coup de main souvent. Donc Cabu était émerveillé. Oh là là, c'est dingue. Enfin bon, on a beaucoup rigolé. Et j'ai mis du temps à montrer mes dessins alors que les copains me disaient mais vas-y quoi. Qu'après il fallait l'afficher. Oui, sur voilà, ce on dessinait commun. Exactement. On dessinait. On passait tout l'après-midi, matin et après-midi à dessiner d'après l'actualité. On s'échangeait voilà, des idées, etc. On feuilletait les journaux. Tous les journaux étaient sur la table. Et puis, au fur et à mesure, on allait scotcher nos dessins sur du papier A4. Hein. On scotchait des dessins au mur et ça formait. Voilà, le mur était entièrement recouvert vers 17h, heure du choix de la une. Le mur était recouvert de dessins.
Et oui, moi je trouvais que ce que je faisais était nul, moche. Je rigolais bien avec les autres, mais non, j'avais peur. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé ça, enfin, je me suis débloquée, et puis j'ai trouvé ça finalement marrant d'aller montrer un dessin, parce que je me suis rendu compte que c'était pas grave, que les autres pouvaient rire, que je pouvais. Enfin voilà, qu'il y avait une simplicité en fin de compte. Mais il y avait aussi que je sortais de l'école Essienne et des Arts Déco. Je crois que je suis une des rares à avoir fait une école d'art à Charlie. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin de faire une école d'art pour entrer à Charlie. Et pendant cet enseignement, j'avais appris à choisir des beaux papiers, à manier l'aquarelle, etc. Donc là, soudain, dessiner au marqueur sur du papier machine, c'était soudain, je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et donc je trouvais tout moche, je trouvais que ce que je faisais était moche. Et puis finalement, le rire l'a emporté et on a passé beaucoup de bouclages vraiment à rire. Pour s'engueuler aussi parfois, c'était pas toujours tout rose, hein, mais j'ai des souvenirs. En plus de c'était des moments. Le dessin de presse est un exutoire, hein, vraiment. Donc on s'autorisait des choses clownesques, des hurlements, des choses. Vraiment, on sortait, voilà, à défaut de donner des vrais coups de poing dans la gueule, comme disait Cavana, aux gens dans la rue ou aux gens qui nous déplaisaient, les hommes politiques, on donnait des coups de poing dans les dessins et ça nous faisait vibrer. C'était voilà une belle équipe. Et j'ai beaucoup appris, ouais. Ça a été très très vite. Parce que dans Charlie, on devait être tous interchangeables. Si Cabu était en vacances ou Volinsky, il fallait le remplacer au pied levé, prendre son espace, qu'on appelait les colonnes ou la page entière. Donc, va faire un reportage ici, trouve une idée là, va interviewer machin, tu t'occupes de tel sujet, tu t'occupes de Sarko. Et on devait le faire. Et chaque semaine, donc le rythme était hyper soutenu. Mais là, j'ai appris à 150 km/h. Ouais, c'était super, ouais. Sans transition, après l'attentat de Charlie Hebdo, vous arrêtez le dessin de presse pour vous consacrer aux albums, Catherine Meurice, ce qui va permettre d'aborder un autre élément très important pour vous, on l'a déjà un peu évoqué, mais ce qui est la nature, qui était encore une fois très présent avec le dernier album en date, la jeune femme, la mère. On a pu aussi le lire dans la légèreté, cet album écrit et dessiné après l'attentat de Charlie Hebdo, l'importance d'un moment au bord de l'océan, ce rapport à la nature, alors même s'il s'origine dans cette enfance que vous avez décrite à la campagne, il est toujours aussi fort, aussi vital. Il y a quelque chose d'organique qui vous relie à la nature, au paysage, à la mer. Oui, vraiment, véritablement, j'ai besoin de moments de solitude dans la nature pour réfléchir à un livre, à des dessins, à des formes, à des idées. J'ai vraiment besoin de ça. Et j'insiste, j'ai besoin vraiment d'une solitude dans la nature. Ouais, ça peut pas marcher si quelqu'un, même si quelqu'un est 10 mètres derrière moi ou caché derrière un tronc d'arbre, quelqu'un de proche et que j'aime, ça ne marche pas. Alors si quelqu'un de proche et que vous aimez est caché derrière un tronc d'arbre. Non, oui, c'est en effet, oui, ça peut être suspect dans un grand imperméable, oui, en effet, c'est pas, ça marche pas. Non, j'ai besoin de cette nature et une fois de plus, l'attentat contre Charlie a été vraiment, cette montagne qui m'est tombée sur la tête et elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, que cette nature connue depuis l'enfance était très importante, enfin, la campagne en tout cas. Parce que dans les pages de la légèreté, les premières pages, on me représente sur la dune du Pila, puis plus loin dans l'album, je suis seule sur une île, c'est une île bretonne, c'est l'île de Bréa. En fait, c'est la première fois que j'allais à Bréa à la fin de l'hiver, deux mois après l'attentat, et j'ai fait le tour de l'île tous les jours, sous la pluie. Et là, je me suis rendu compte que je recommençais à ressentir des choses. La mémoire revenait un tout petit peu. La colère commençait un peu à se former par moments et puis disparaissait. Enfin, je retrouvais des sensations. Et ça a été très marquant. Donc, je me suis dit, voilà, ce contact avec la nature est très important. Ce ne sont pas que des souvenirs d'enfance. C'est très sérieux. Ça peut aider.
Et ça a marché plusieurs fois. Quand j'ai publié La Légèreté, j'avais vraiment un problème de mémoire, hein, d'amnésie partielle due au choc post-traumatique. Et je voulais m'atteler aux grands espaces, qui en a un livre sur mon enfance. Donc il fallait que j'aille chercher des souvenirs. Et ça a été très compliqué pour moi de retrouver ça. Et je me souviens d'être allée une semaine toute seule dans le Cantal. Pareil, sous une neige à moitié, mais je m'en fichais, j'ai marché. Et plus je marchais, plus j'allais en altitude, plus la pensée se précisait. Donc je prends toujours un carnet et un crayon sur moi, parce que les phrases arrivent comme ça, les idées. Et ça a marché plusieurs fois. Voilà. Et La Jeune Femme et la Mer, je me suis baladée au Japon. J'étais dans une résidence d'artistes où il y avait des artistes français avec moi. On était 7 ou 8. Mais je me baladais toute la journée seule. Et pas que dans la ville de Kyoto, la résidence à Kyoto, mais je suis allée notamment dans le sud, dans le Kyushu. Et je louais un vélo, un machin. J'ai parté toute seule dans les champs. Sans savoir ce que j'allais trouver, et comme par magie, les sensations arrivaient, et beaucoup de choses qui se sont passées dans ces moments de solitude au Japon se retrouvent dans La Jeune Femme et la Mer. Après, bien sûr, je scénarise et je mets en forme, mais j'ai découvert finalement que je pouvais travailler à partir du souvenir de mes impressions, et que sans faire pour autant un carnet de voyage ou de... Voilà, c'est un matériau qui me sert. Peut-être que je ferai les choses différemment plus tard, mais jusqu'ici, ça a été comme ça. Enfin, entre La Légèreté, La Jeune Femme et la Mer, ça s'est passé comme ça. Oui. Et puis, dans ces masterclass de France Culture, Catherine Meury, vous savez, on aime bien être très concret aussi, savoir comment ça travaille. Il faut parler peut-être d'une méthode, Catherine Meurice. On va parler des outils. Est-ce qu'il y a des lieux, des horaires, une mise en route avant de dessiner pour vous? Je travaille bien le matin. Alors, ça ne veut pas dire que je suis à mon atelier aux aurores. Bon, déjà, j'ai un atelier. Voilà, que j'ai longtemps travaillé seule chez moi quand j'étais à Charlie, parce que l'atelier, c'était un petit peu la salle de rédaction de Charlie. Et depuis que je ne suis plus à Charlie, ça va faire peut-être 5 ans maintenant, je suis en atelier avec d'autres dessinateurs. On n'est pas très nombreux pour qu'il y ait un certain calme dans l'espace de travail. Et je trouve, voilà, les idées sont plus claires le matin. Il y a une énergie, tout simplement physique, qui est là le matin. On s'avachit un petit peu plus l'après-midi. Et que vous dire, pas de musique, non, pas de. Enfin, après le travail, oui, mais pas de musique quand je travaille, c'est pas possible. Parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Je dois me concentrer sur. Sur les idées, sur... Puis ce ne sont pas que les idées, les images viennent en même temps. Il y a parfois une urgence, je dois absolument aller à l'atelier parce qu'au matin, il y a des choses parfois qui se passent au réveil. Je reste un peu dans mon lit comme ça, pardon, c'est très intime. Mais soudain, je me dis non, mais là, il faut que je mette du bleu. j'ai mis du rouge, en fait, il faut que je mette du bleu. Donc vite, je dois aller à l'atelier pour ne pas que ce réflexe technique m'échappe. Il y a des petites urgences comme ça, parfois. Et sinon, depuis peut-être 15 ans que je fais ce métier, il y a quand même une j'ai de l'expérience maintenant, donc je sais un peu comment travailler. Je suis très disciplinée. Parce que voilà, le dessin demande beaucoup d'énergie. Une bande dessinée, c'est très long. La gestation, l'écriture, la documentation, bien sûr le dessin, qui est la partie la plus grosse, quoi, la plus importante. Et je travaille encore sur papier avec une plume ou un crayon. Enfin, la Jeune Femme et la Mer, en l'occurrence, c'est de la plume. Et y a une tension. Je montre ça, c'est très radiophonique, mais on publie ça, mais je suis gauchère, mais j'ai le bras vraiment tendu, extrêmement tendu. Je suis crispée toute la journée avec mon outil à la main, donc c'est un métier épuisant. L'outil, en effet, il est important. Préférence pour la plume, l'encre de Chine, les touches d'aquarelle. La plume, c'est quoi? C'est vraiment
le contact avec le papier, le fait que ça puisse un peu accrocher. Oui, et ça accroche d'autant plus quand on est gaucher, parce que la plupart des outils, on est dans un monde de droitiers hein, quand même depuis quelques siècles. Et en effet, manier la plume quand on écrit de gauche à droite, c'est compliqué. Donc on est obligé de retourner un peu sa plume, ou sinon on peut aussi justement faire entrer en contact la plume avec le papier. Et les accidents arrivent. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que mon dessin est un dessin qui fait partie de la famille des dessinateurs jetés, enfin pas mentalement, mais dont le trait est assez spontané, dont les voilà, mon dessin n'est pas réaliste. Je peux m'autoriser des irrégularités tant qu'elles sont justes, tant qu'elles apportent une richesse, un intérêt au récit, au personnage, à l'expression surtout. Donc je peux faire des corps un peu tordus d'une case à l'autre tant que la justesse est là, enfin, j'espère. Et la plume permet, on connaît les pleins et les déliés de cet outil, ça permet vraiment une sensualité dans le dessin, une nervosité et des surprises, oui. Oui. Et alors, donc La jeune femme et la mère, c'est fait avec de la plume, Les grands espaces, c'est fait au crayon, ça c'était un autre travail, où la nervosité est moins permise, puisque le crayon est beaucoup plus mou, la mine va s'écraser au fur et à mesure, mais j'avais envie de faire cet album au crayon pour rendre compte le mieux possible des écorces, des matières végétales. Donc en fait, j'adapte ma technique à chaque livre. Concernant la jeune femme et la mère, il y a cette dimension et ce mélange très particulier que vous avez déjà utilisé avant, de personnages qui sont le plus souvent caricaturaux, au sens non réaliste, avec des paysages qui sont, eux, comme des petits tableaux extrêmement délicats, extrêmement réalistes. Qu'est-ce que vous souhaitez vous produire dans cet effet de contraste? Plusieurs choses, je suppose. D'abord, le plaisir du dessin. Pour moi, c'est pas du tout une torture de dessiner. C'est tout le contraire. Ça veut pas dire que je réussis tout. Certainement pas. Je rate beaucoup de choses, mais les ratés ne me paralysent pas. Au contraire, je recommence. J'éprouve beaucoup de plaisir à dessiner. Peut-être parce que le dessin, pour moi, est tellement important. Je m'accroche tellement à ça que il faut que je m'entende bien avec lui. Donc le plaisir du dessin et la surprise pour le lecteur, j'espère, et aussi pour moi-même. Et je crois que j'essaie aussi à chaque livre de continuer d'apprendre à dessiner. Par exemple, La jeune femme et la mère a été fait. La documentation était très importante. J'ai bossé d'après des photos, des estampes. Bien sûr, il y a des dessins d'imagination, beaucoup, mais j'ai besoin d'aller regarder un peu autour de moi des peintures, etc., pour peaufiner mon dessin, pour espérer m'améliorer. Enfin, disons que je ne cherche pas le dessin parfait, ça je m'en fiche complètement, mais une fois de plus, je cherche la justesse de l'expression, la justesse du dessin. Qu'il y ait une sincérité. Alors c'est paradoxal parce que la bande dessinée c'est une fiction, c'est de l'artifice, on passe son temps en racontant des histoires à mentir, mais paradoxalement c'est un travail sincère. Je crois que le dessin peut trahir très facilement le dessinateur, peut trahir ses émotions. Quand on regarde bien, si on regarde la ligne, on peut voir que l'auteur était un petit peu fatigué, un petit peu nerveux, un peu paresseux, un peu joyeux. Et voilà, donc ça, c'est important. Et oui, c'est vrai que quand je repense aux premiers albums, Mes hommes de lettres, ou surtout à partir du Pont des Arts, les décors sont très, très présents. Mais vraiment, je crois que c'est surtout le plaisir du dessin. J'ai en tête des... Oui, j'ai dessiné le musée d'Orsay pour faire le chapitre sur Baudelaire qui parle de Manet. Quel plaisir de dessiner cette façade avec cette... Puis de chercher des plans intéressants, des contrastes. Enfin, c'est vraiment explorer à chaque fois, travailler, continuer de dessiner, d'apprendre des choses, oui. Mais quand vous préparez, quand vous faites un album, est-ce qu'il y a un premier plan général pour définir les endroits où il y aura besoin de planches plus libres, ou au contraire des moments où il y aura plus de cases narratives, ou est-ce que ça se fait planche après planche ?
Alors, au fil des années, j'ai appris à faire un petit storyboard, parce qu'avant, c'était pour mes hommes de lettres, le Pont des Arts, c'était très... Bah là, c'est vraiment ma pratique du dessin de presse qui prenait le dessus, donc tout s'est fait vraiment au fur et à mesure. Il y avait bien sûr des notes, mais les notes se mélangeaient au dessin, tout, et je voyais le truc se faire en parallèle, donc ça s'est fait comme ça. À partir de Modern Olympia et les suivants, bien sûr, je fais un petit découpage, je ne sais pas faire de storyboard et je ne veux pas faire de storyboard très poussé parce que, comme vous le voyez parfois chez certains dessinateurs qui font des storyboards absolument magnifiques, très cinématographiques, moi je ne peux pas parce que toute mon énergie passerait là-dedans et il ne resterait plus rien pour faire mon dessin jeté dont je parlais tout à l'heure qui nécessite une spontanéité, aussi une nervosité, une énergie. Et donc j'essaie d'équilibrer entre un travail rigoureux et une spontanéité, quelque chose de très libre, un geste libre comme ça. Mais voilà, donc il y a un petit découpage, c'est-à-dire que mon storyboard ressemble à des tout petits timbres postes complètement illisibles, avec des notes et puis des flèches et des trucs comme ça. Mais ça permet... Vous avez l'architecture interne. J'ai l'architecture. Alors souvent, c'est 5 pages après 5 pages. J'arrive pas à avoir tout l'album. C'est comme si je devais me lancer dans l'aventure. À la fois, je... probablement je me fais confiance, ça c'est peut-être les années de travail, et j'ai envie qu'il y ait une surprise, je sais que je peux revenir en arrière, j'ai jamais oublié je crois la phrase de pour en revenir à Charlie, la première fois que j'étais embauchée, c'est Philippe Val qui était directeur du journal, et il m'a dit, j'étais encore suant d'angoisse comme je le disais, mais il m'a dit, bon maintenant on t'embauche, t'es au même niveau que Volinsky et Cabu, Charlie ça va être ton laboratoire, tu peux te tromper, tu peux rater et recommencer. Et j'ai commencé mon métier comme ça, en entendant cette phrase-là, ce qui est quand même assez chouette. Oui, c'est vraiment un cadeau. Ouais. Et donc, je n'ai pas peur de rater, de recommencer. Il suffit d'avoir un peu de temps. Voilà, donc le travail se fait comme ça. Le découpage permet de voir si le rythme est bon. Parce que dans tout livre, et surtout dans les... Enfin, pas surtout, non, y compris dans les livres comiques, parce que mes récits sont humoristiques, le rythme est extrêmement important. Voilà, si on veut qu'un gag fonctionne et vous fasse rire, Arnaud Laporte, eh bien c'est que voilà, je travaille le rythme. Et donc je fais des petites esquisses, des petits croquis où les personnages sautent au bon endroit. Donc ça c'est marrant. Et ce qui est étonnant, c'est que le souvent, pareil, les dessinateurs vous le diront, mais le petit croquis où il y a 3 coups de crayon est souvent bien meilleur que le dessin bien travaillé après. Et voilà, donc ça se passe comme ça. Et ensuite, assez rapidement, je me lance dans les planches originales. Je fais une esquisse au crayon, parfois poussée quand c'est nécessaire, et parfois juste très très presque blanche, quoi, pour que la plume définitive vienne me surprendre. Donc c'est vraiment un mélange. Mais c'est un travail assez rigoureux, voilà, qui est ma stratégie. Voilà. La méthode, Catherine Meurice. Ouais. Mais vous parliez, c'est une question qu'on évoque souvent aussi dans ces masterclass, la notion de progrès dans son propre art. Alors, vous savez qu'on prête au peintre Bonnard le fait d'avoir tenté de repeindre certains détails de ses tableaux alors qu'il était déjà accroché dans des musées. Bon, les gens d'où réalité, on ne sait pas, mais ça s'appelle le syndrome de Bonnard. Est-ce que vous en êtes atteinte? Est-ce que vous auriez envie de retoucher certains de vos albums? Oui, mais je ne le fais pas. Vous vous retenez fortement ou pas? Oui, je me retiens. Une fois que le livre est fait, j'accepte. En général, je déteste mon livre une fois qu'il est imprimé. Je crois que mon éditrice est dans la salle, mais elle le sait. Elle ne va pas l'apprendre ce soir. Mais oui, je fais croire que je suis heureuse, mais en fait, c'est toujours... Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait un nez comme ça? Et pourquoi je n'ai pas repris le personnage? Mais là encore, je pense que ce sont mes années de dessin de presse qui me tiennent debout et qui me font dire c'est comme ça, j'ai fait le maximum au moment où je dessinais. J'ai fait vraiment le maximum, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé, il n'y a pas de moment de paresse dans mon travail. Peut-être que certains lecteurs peuvent trouver que mon dessin est complètement nul et paresseux, mais
Il y a un travail et je fais vraiment le maximum. C'est-à-dire que je suis très exigeante, parfois c'est épuisant. J'accepte que je dessine comme ça à ce moment-là et qu'un mois, deux mois après, je trouverai ça moyen. Mais alors, c'est une déception en même temps, c'est ce qui me donne envie de faire d'autres livres. Voilà. Donc là, en voyant La jeune femme et la mère, non, je suis quand même très contente du livre, mais il y a quand même des petits... je ne dirais pas sur certaines pages, mais voilà, je me dis parfois, oh là là, mais là, vraiment, j'aurais pu soigner. Souvent, c'est dans les regards. Je me dis, non, mais la pupille, là, j'aurais dû la déplacer d'un millimètre sur la gauche, parce qu'on a l'impression... Enfin, c'est des détails de dingue, on est un peu givré. Mais j'accepte, et d'autant plus quand le travail est fait là, avec une coloriste géniale, Isabelle Merlet. Elle aussi, de son côté, a fait un travail extrêmement exigeant, extrêmement poussé. On a fait le maximum et une fois que le travail est fait, on est heureuse de le montrer. Donc j'accepte petit à petit. Bon, il y a aussi eu ces derniers temps des expositions. Ça, c'était un peu nouveau pour moi aussi. Voilà, j'étais un peu forcée de voir mes dessins anciens exposés. Il y a des trucs que je trouve atroces et d'autres où je me marre du culot que j'ai eu, de celui dont je vous parlais, où je me disais, mais je pensais vraiment que personne ne me regardait, que personne ne verrait ce dessin. Bon, ben, voilà. Et en plus, la période Charlie, c'est vrai que j'étais pas autant j'étais timide en vrai, mais dans mes dessins, je ne l'étais pas. Mon dessin n'était pas du tout timide. Parfois même méchant, m'a-t-on dit. Bon, pourquoi pas, hein, Charlie, on pouvait se le permettre. Et ça, j'accepte, c'est ainsi. Alors, se retrouver exposé dans les musées, ça m'amène, parce qu'on est presque au terme de cette masterclass France Culture avec vous, Catherine Meurice, à une question qu'on pose souvent à nos invités, c'est-à-dire leur rapport à la postérité. Mais alors, d'une certaine façon, c'est fait, puisque vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts le 15 janvier 2020, première représentante ou représentant de la bande dessinée à devenir membre de l'Institut. C'est une forme d'immortalité. L'entrée à l'académie. Ça y est, là ? Taisez-vous, Arnaud Laporte, taisez-vous. Non, mais ça, je vais vous faire une confidence. Le soir de mon élection à l'académie, les soirs suivants, je n'ai pas dormi parce que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est pour toute la vie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. J'ai évacué ça très vite. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui me fait frétiller. En revanche, l'art, pas le mien, celui des autres, je crois que c'est ce qui nous fait échapper à la mort. Donc, d'une certaine manière, c'est ce qui rend immortel. Alors, peut-être. Entre parenthèses, que c'est un des messages qui passe dans La jeune femme et la mère, dans les dernières pages, où comment sauver des paysages qui vont disparaître, comment sauver, comment ne faire en sorte que tout ne soit pas détruit, il reste l'art, il reste le dessin immortalise, la peinture immortalise, le livre immortalise, tant que le livre existera, ça fait quand même un bon moment qu'il existe. Et les artistes, immortalisent, quoi. Le personnage du peintre dans La jeune femme et la mère peindra la jeune femme Nami, quel que soit le destin de Nami, Nami sera éternelle ou immortelle parce que peinte. Et c'est cette immortalité-là qui m'intéresse. Mais alors moi, la postérité, je m'en fous complètement. Vraiment, pardon de dire, je n'en ai cure. On est sur France Culture, on sera sur France Culture. C'est bien dit. Ça rime en plus. Et non, vraiment, c'est quelque chose même qui m'embarrasse. Enfin, je veux surtout pas y penser parce que j'ai peur soudain que les lauriers m'écrasent. Enfin, je déteste ça. C'est vraiment le dessin. Le dessin est plus important pour moi. La pratique du dessin, faire le livre, peut-être parce que c'est une grande, grande anxiété. Voilà. Mais pour revenir à l'Académie des Beaux-Arts, au-delà de vous, Catherine Meurice, c'est aussi une forme de reconnaissance importante pour la bande dessinée. Quand même, il y a un long chemin avant cette entrée. Oui, j'espère en effet que ça peut servir à la bande dessinée. Oui, j'espère, et je pense que, et j'en suis sûre, même je ne suis pas la dernière autrice de bande dessinée à entrer à l'Académie. Oui, là, ces derniers temps, la bande dessinée est rentrée au musée, s'expose dans les galeries, les institutions s'y intéressent, et tant mieux. Et elles ne s'y intéressent pas que pour
dire que la bande dessinée permet aux enfants de lire. C'est pas, la bande dessinée n'est pas qu'un passage vers la lecture ou vers la, la littérature, c'est vraiment un art à part entière. Et la bande dessinée, oui, est très fêtée, les auteurs un peu moins. Il y a toujours ce paradoxe qui est que voilà, les auteurs rament et les autrices rament beaucoup. C'est un métier très difficile, il y a beaucoup de disparités. Donc j'espère que la bande dessinée à l'Académie, cette nouvelle place sera utile. Après, l'Académie, c'est un endroit où on travaille, où on s'intéresse au travail des autres. Ce n'est pas du tout un endroit où on s'astique la médaille. Je crois que j'avais déjà sorti cette expression qui vous avait fait rire. Voilà, il rit encore. Comme quoi, vous voyez, je teste mes gags sur Arnaud Laporte. On sera dans la prochaine BD. Très bon public. Très bon public. Et bon, j'espère que ce sera utile. En tout cas, certains de mes copains et copines dessinateurs et tristes ont craint que je m'institutionnellement constitutionnellement, non, c'est pas ça, que je m'institutionnalise, voilà. Et non, je pense pas. Non. Alors, vous me permettrez, puisque je reviens à vos blagues, une dernière question un peu plus grave. Catherine Meurice, est-ce que vous pensez que vous retrouverez un jour la légèreté? Oui, je la retrouve quand je dessine, une fois de plus. Oui, j'ai bon espoir. Une fois de plus, les arts donnent de l'espoir. Les artistes donnent, les autres, hein, donnent de l'espoir. Voilà, quand je lis Proust ou d'autres, ou quand je vais voir des artistes contemporains, bah oui, j'ai de l'espoir. Donc, bien sûr, la légèreté, elle est comme c'est peut-être elle, la personne en imperméable qui se cache derrière le tronc d'arbre quand je me balade dans la nature, elle est pas loin. Et oui, le dessin me fait espérer beaucoup de choses, me console de beaucoup de choses. Le dessin, le mien et celui des autres, me console de beaucoup de choses. Et c'est oui, les peintures, l'art des autres, surtout les autres, c'est un trésor. Oui, je crois qu'on voilà, dont on a tous besoin. Et mais oui, la légèreté, que dire de plus sur la légèreté? Un silence. Reste à dire merci à vous, Catherine Meurice. Merci beaucoup, Arnaud Laporte. Merci à vous tous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.